Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 2 de Au Canada Conversation. Préparatif en vue du vol de départ. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant, orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'orientation canadienne à l'étranger. Unité 2, activité, le voyage. 2.10, avant le départ. 2.11. Quels sont les documents placés dans le sac de l'OIM 2.1.2. Quels documents emporterez-vous Dans ce dialogue, Sadia, Ali et Obassi assistent à une séance de l'orientation canadienne à l'étranger. La facilitatrice de l'orientation canadienne à l'étranger explique ce qu'il est possible d'apporter avec soi à bord de l'avion et comment se préparer pour le vol. La facilitatrice de l'orientation canadienne à l'étranger, Sadia, Ali, Obassi et d'autres réfugiés, sont dans la salle de l'orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et de Obassi dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Ellie, content de vous revoir. Bonjour Robassi, content de vous revoir aussi. Comment allez-vous Je vais bien. Je viens d'apprendre que je pars à Winnipeg. C'est formidable Je pars là-bas aussi Je vois. C'est pour ça que le nom de cette ville me disait quelque chose quand je l'ai entendu pour la première fois. Ma famille est heureuse et excitée. Je suis venue avec mon fils et ma fille. Il y a tellement de documents importants à se rappeler. J'ai entendu dire qu'à cette séance, on nous parlera de chacun des documents dont nous avons besoin. Je le sais. J'écouterai attentivement la facilitatrice de l'orientation canadienne à l'étranger aujourd'hui. La facilitatrice de l'orientation commence la séance. Bonjour à tous. Lors de la séance d'aujourd'hui, nous allons parler du voyage. Nous allons passer en revue ce qu'il vous faut savoir sur le voyage au Canada et nous allons également aborder point par point ce que vous devrez apporter lors de votre voyage. Commençons tout d'abord par examiner ce grand sac blanc. C'est ce qu'on appelle un sac de l'OIM. Le symbole OIM désigne l'Organisation internationale pour les migrations. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez sur ce sac Oui, il est assez gros et il est blanc. Vous avez raison. C'est un sac blanc qui mesure 40 cm sur 50 cm. Et il affiche sur le devant un gros logo bleu avec les lettres OIM ou IOM. À quoi sert ce sac Le jour de votre départ, l'OIM remettra à chaque famille un sac comme celui-ci. Les documents placés dans ce sac sont très importants. Gardez ce sac visible et en lieu sûr pendant tout votre voyage, afin que le personnel et les représentants de l'OIM puissent vous repérer lorsque vous serez en transit dans des aéroports de correspondance et que vous arriverez à l'aéroport de votre destination finale au Canada. À l'intérieur de votre sac de l'OIM, vous trouverez les passeports ou documents de voyage, votre visa, votre confirmation de résidence permanente pour le Canada, d'autres documents, y compris des permis de sortie du territoire si nécessaire, votre billet d'avion, et certains documents médicaux d'immigration si applicables. Chaque membre de ma famille aura-t-il son propre sac de l'OIM? Non. Il n'y aura qu'un seul sac de l'OIM pour toute votre famille. Assurez-vous donc que ce soit un adulte qui le transporte de manière sûre. Qu'arrivera-t-il si nous perdons le sac Il sera très difficile de rassembler vos documents de nouveau. C'est pourquoi je vous demande d'avoir ce sac avec vous en tout temps. Et pour d'autres documents importants On m'a dit d'apporter nos certificats de naissance. Oui. Vous devez absolument apporter votre certificat de naissance et ceux des membres de votre famille, si vous les avez. D'après vous, quels sont certains des autres documents qu'il serait important d'apporter avec vous Je voudrais apporter mon diplôme d'études secondaires, mon diplôme en droit et le certificat qui indique que j'ai exercé en tant qu'avocate dans mon pays d'origine. Formidable. Quoi d'autre mon certificat de mariage. En effet, il est demandé aux gens d'apporter leur certificat de mariage et de divorce s'il y a lieu. Parmi les autres documents importants que vous pourriez vouloir apporter, il y a les prescriptions et dossiers médicaux et les carnets de vaccination. Certains des documents que j'ai ont aussi été traduits en anglais. Devrais-je apporter les deux versions Oui. Apportez tous les documents traduits que vous avez, ainsi que les originaux. Si vous avez des traductions notariées de documents importants, comme des certificats d'études, apportez-les avec vous. Cela facilitera leur processus d'évaluation au Canada. Est-ce que ce serait bien de faire des copies de ces documents Bien vu. Il est toujours bon de faire des copies de rechange. Où devrions-nous conserver nos documents Emporter tous vos documents importants avec vous à bord de l'avion. C'est logique. Nous avons examiné beaucoup d'informations. Prenons une courte pause maintenant. Lorsque nous reprendrons, nous parlerons des différents types de bagages. Fin du dialogue de l'unité.